Alors, marathon des vignobles d'Alsace. On va lâcher des fauves. Aujourd'hui, sur le marathon des vignobles d'Alsace, il y a les chasseurs, il y a les chassés, il y a les sanglants, il y a les dompteurs, il y a de tout. Allez, on ronronne. Et il y a même la panthère rose là-bas. Les fauves ont sorti leur tenue de chasse, car dans le vignoble, ça va chasser avec quelques éléments assez terribles. Et il y en a qui en profitent. Oui. Les félins sortent leurs crocs. Voilà, je le prouve. Alors, il faut choisir la prononciation, croc ou crox. On va tester ça sur les 42 du vignoble d'Alsace. Alors, non, c'est la panthère rose. Ah oui, c'est la panthère rose. Faut pas croire parce que... Regarde là, c'est une journée idéale. On a même le marsupilami fauve. Il va faire vraiment chaud. Il va faire chaud, nous a dit l'ami Doug. Marathon des vignobles d'Alsace, le départ va être donné. Avec notre tigresse. Il n'a pas besoin de en panthère rose. Notre aide d'histoire en chasseur de fauves effrayant. Effrayant. Courez panthère, courez léger, les félins sortent leurs crocs ou leurs crocs. Ouba. Et Palmero, il a décidé de ne pas se déguiser aujourd'hui, il est en tenue de ville. Bon Pierrot, tu as mis où ton crochet? Il s'est transformé en bouteille. Alors ça dépend ce qu'il y a dedans après, c'est du rhum bien sûr. Ouais. Du rhum arrangé. Bien sucré. Yeah! Go! Ouba! Il y a quand même des bandes de petites léopardes là, je sais pas sur laquelle mon choix va. Il y a intérêt à pas me tromper. Alors au hasard, je vais choisir celle dont la jupette se relève à chaque pas. Je ne sais pas pourquoi, mais. Un bas instinct. La jeune femme qui est devant nous. Dite Dedette Bis, a peur de manquer de boissons énergétiques sur le parcours. Elle considère peut-être que le Gewürztraminer n'est pas isotonique. Ça me fait faire pipi. Donc elle s'est bardée de cartouches tout autour de la taille. Un peu terroriste avant d'aller faire voilà. Sauter un bus, hein, quand même. Remarquez, ça lui cache les chicoles. Comme on dit à Marseille, comme. Alors, on se rattrape du marathon du Sauterne. Voilà, pour une petite interview de Claudine. Donc Claudine qui n'en est pas à son premier, puisque... C'est mon 112e. C'est son 112e. Voilà, donc il faut rendre hommage aux persévérants des grandes distances. Bravo Claudine. Merci. Alors, premier ravitaillement officiel. Voilà. Oui. Donc on a du quoi? Sylvaner. Avec une petite brioche. Hein. Premier ravitaillement, Sylvaner, brioche, à notre petit groupe préféré. Alors, le marathon du vignoble d'Alsace, c'est aussi les cerises. On en fauche un peu. Bon, les crocs, en terrain, on va dire pour l'instant pas très escarpé, marche pas mal. Tu es assorti au mur d'un bain bleu. Allez,
Non mais, faut que ça roule tout ça. Alors, deuxième marathon officiel, on a le Kouglof avec l'Auxerrois, c'est ça? C'est le Pino Auxerrois. Voilà, le golet gastrovinique et le Mutzig. Alors, le long des canaux, on rencontre des drôles de personnages quand même aussi, hein. Allez la bébé! Ah, oh, Marilyn! Prête à être mariée, tiens! Molsheim René Gastrovinic! Alors là, on va nous proposer. Ah, bah c'est la choucroute! Voilà! Bonne petite choucroute! Avec un pinot gris. Voilà, choucroute pinot gris à la vôtre. Félins sortent les crocs. Pour l'instant, tout va bien. Non, mais on se réserve. Dommage. C'est pas joli l'Alsace. Oh, c'est joli l'Alsace. C'est dangereux ce métier. Donc une grande spécialité de l'Alsace, c'est la tarte flambée. Voilà. La tarte flambée avec quel vin? Du crément. Avec un petit crément, hein. Voilà. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Bien, ça bien. Regardez ça, regardez ça. Marie, Jean-Marie. Voilà, voilà. Merci beaucoup. La tienne, Pierre. À la vôtre. Voilà des petits endroits reposants sur le marathon du vignoble d'Alsace. Mais ça chasse, ça chasse, ça chasse, ça chasse. Allez, relais gastronomique à Dellenheim. Et là, on va nous proposer. Quoi donc? Les petites saucisses, à mon avis. Et voilà. Les knacks. Avec un auxerrois. C'est ça. Mais demande s'il y a du cochon dedans. Et alors ça. En Alsace, on est pas. Oh, c'est bien grillé ça. Et voilà. Nous allons arriver au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, qu'est-ce qu'il y a sous ton bon pardon? Char à Bergheim, toute une bande de rigolos! Oh, j'ai bien dit, hein. Alors, relais gastrovinique de Char à Bergheim.
Et là, nous avons le Pinot Gris avec... Alors ça se boit avec quoi le Pinot Gris, hein? Avec un petit Kouglof aussi. Un petit Kouglof. Allez. De derrière les fagots. Alors. Ah, la tienne, Étienne. Tienne. Bon, Dani, hein. Bon. Allez. Alors est-ce qu'on a notre fouetteur là? Bien sûr, même. Avec l'animation. Pardon. Une petite séquence avec Zaboulette de voilà. CAF, n'est-ce pas? Parce que Babou est CAF aussi. Ouais. Oui. Attends, oui. Oui, la tortue est CAF aussi. Oui. 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 Il y en a une. Oh putain. La main. Oh, bien ce chauvet, ça. Bonjour madame. Dites-lui qu'on arrive au relais gastrovinique de Marlenheim. Et là, nous allons avoir le hareng sur canapé, accompagné de quoi comme vin? Accompagné de Riesling. Alors, Riesling hareng sur canapé à Marlenheim. Un petit bonheur. Un petit bonheur. Ah ben oui. Ah ben oui. Ah ben voilà. Et toujours de beaux endroits sur le MVA avec les cabaïs. On a les mouches. Et la tigresse ne fait pas peur aux cabaïs, hein? Allez, les crocs en mode trail pour passer dans les vignes. C'est pas joli ça. Ah, mais c'est mon ami Voltaire. Ah, Voltaire. Comment vous êtes déguisé? Ah, en gros minou. Ça marche, ça marche. Toujours aussi gaillard, Voltaire. Un centenaire italien. Alors, ravito off sur le marathon du vignoble d'Alsace, c'est une drôle de vigne. Merde. C'est très bien. T'as arrivé le cash. Ça a l'air meilleur à zout. Ah, c'est bon, hein? Ouais, c'est très bon. Bon. Alors ce petit côté intime de la cave, profonde et fraîche, un bonheur. Nous arrivons dans le must relais gastronomique Trenheim. Et là, à mon avis, ça va être du petit Münster. Et voilà, du petit Münster avec un petit Gewürz. C'est ça? La boisson? Voilà. Merci. Alors, ravito préféré de pas mal de monde d'ailleurs, hein? Tu vois, les gens restent. Les gens restent, ça stagne, ça a du mal à se détacher. Le Münster Gewürz. Ah, l'ambiance monte. Le temps monte. Et puis, il y a de la conversation au balcon, alors. Et où c'est le balcon? Alors, Xème ravitaillement gastro-œnologique Wangelsheim avec du pâté en croûte, et du Pinot Gris. Et ben voilà, c'est ici. Bon appétit. Bien sûr. Alors, un des derniers relais gastrovinique de Wolfsheim. Et nous avons le pain d'épices avec... Avec le muscat. Absolument, madame. Et ben voilà,
que la vie est dure. Alors Riri est en mode accompagnateur de ces dames. Et ils se régalent comme par hasard. Ils passent leur temps à montrer leur jupe. Et voilà. À dire celui-là je coucherai pas dans la baignoire. Et Pierre, et Riri est resté déguisé de la tête aux pieds. Ah ouais, ah ouais, la tête, ah ouais, à la queue. À la... Bravo, oh là 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 là, bon, c'est une grande première. Hein. Super déguisement. C'est une grande première. Et donc là, il y en a un qui a pris. Et puis Mireille, elle nous fait son premier semi. Oui. Yeah. Attends, pas vous, Mimi. Allez, Bolsheim, quand la boiteuse va à Bolsheim. Ce n'est pas pour boire du champagne. Non, ce n'est pas pour boire du champagne. C'est pour se taper un bon pinot gris. C'est pour se taper une bonne pinot grise. Non, on n'a jamais vu, n'a jamais vu. Elle ne suit beaucoup que la ville de la boiteuse. Oh. On n'a jamais vu dans une nobu. Les nounours, ils sont là, tous les nounours, sous, youi, 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 youi. Et ben voilà, tous les CLM qui passent. La maison aux nounours, regardez les filles derrière vous. Regardez derrière vous. Ah ouais, ils étaient là, les nounours. Ça, c'est l'Alsace. C'est la vraie Alsace. Il y a des cigognes. Et bienvenue en Alsace. Mais moi j'en vois que deux de gognes. Allez, arrivé dans Molsheim. Ça sent l'écurie. Et là nous avons les... Oh, le crément, non? Les petites mignardises avec le crément, bien sûr. Hey, ça. Et ben voilà. Tiens, à la vôtre. Petite cigogne traditionnelle de chaque année à l'entrée de Molsheim. Coucou la cigogne. Yeah. Et ben voilà, arrivée du marathon des vignobles d'Alsace avec la belle bande. Bravo à tous, 5h55. On a battu les chronos. Allez, tu vas! Yeah! Les premiers semis, les premiers marathons! Merci beaucoup. Toujours les jolis ici. Bilan de la journée, les félins ont sorti les crocs. Et ben ça a bien marché. Pas de problème, ni sur la route, ni sur les petits sentiers. Coucou!